Ouais, 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 survivant! Bienvenue sur VLFR.gaming! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur nos héros Gen 17. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour Donald. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur Miss Mia, avec un autre compte, je crois. Je vous ai déjà fait la vidéo sur Mia Full Pack. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Scottish Grandpa Hero, un ancien militaire. Je vous laisserai lire la petite histoire de Donald. Donc, c'est notre héros Hunter de la Gen 17, qui a l'air un peu cheaté. On a toujours un héros un peu cheaté, et il y a moyen que ça soit celui-là sur la Gen 17. On l'a maxé, donc je vous ai passé la phase où on monte le cerveau. C'est absolument la même chose depuis Lucky m'a dit. Je veux pas vous refaire reperdre votre temps à chaque fois pour monter les vidéos. Tous les héros, c'est le même nombre de potions et le même nombre de fragments. Vous avez les chartres dans le Discord partout, c'est la même chose, vous commencez à avoir l'habitude. Maintenant, niveau compétences. Alors j'ai pas assez sur ce compte-là du PTR pour maxé. Par contre, on se retrouve sur des choses vraiment intéressantes. Tous les 4 tours, il applique, donc je suis pas au maximum, mais il applique 25. Je pense qu'on va arriver près des 30-35% de dommages tous les 4 tours en plus. C'est juste énorme cette compétence. Le Kleps, le chien, excusez-moi. Pareil, tous les 2 tours, il rajoute 45% de dommages de feu. Alors c'est quoi ces dommages de feu? Je sais pas ce que ces dommages de feu. Donc, à voir. Et pareil, dommages de saignement de 50% sur les ennemis. C'est quoi ces nouveaux statistiques qui nous rajoutent? On se croirait dans un autre jeu avec des dégâts de feu, d'eau, de terre, de... Faut arrêter. Là, on est trop. La vérité, je sais pas à comment ça va se ressentir dans les combats, mais ça a l'air juste énorme. Et le dernier, Fearless Sacrifice. Tous les 1 tour. Donc c'est... Enfin, la répétition du skill est juste énorme. Ça augmente les dommages pris par l'ennemi de 3% pour 4 tours. Et ça peut le faire 4 fois. Non, des skills comme ça qui sont actifs dès le début, ça va juste être une dinguerie. Donc Donald a l'air d'être un héros encore juste magnifique. En statistique, on se retrouve à 3034. Là, il y a mes Tempest. On va l'enlever tout de suite pour voir les statistiques réelles. Donc, on a du 3032.08 de statistiques. Et après, vous avez juste à rajouter vos Tempest. Et là, vous pouvez améliorer. Donc là, on monte jusqu'à du 3395. Mais certains ont encore mieux que moi si vous avez des gears meilleur que les miens. Donc voilà, Mister Donald disponible dans la survie et dans le SVS. Donc c'est vraiment le héros le plus facile à monter. Vous allez récupérer des jetons un peu partout. Vous en récupérez là, vous récupérez des fragments, vous récupérez des fragments avec le chien. C'est vraiment le héros qui va être facile à monter. Donc surtout, n'hésitez pas à le monter, ça va être une belle value pour votre compte. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un commentaire et de vous abonner si vous voulez pas que je vienne vous brûler. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao survivants.